Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous êtes bien remis du carnaval, puisque ce carnaval était quand même attendu, très chaud, et que vous êtes là avec les chroniqueurs, les spécialistes de l'information pour passer un bon moment. Bonjour, maître Philippe Saint-Cyr, ça va bien? Ça va encore, merci. Ça va encore, très bien. Professeur, le monsieur de Guyanitch, hein, il n'arrête pas d'appeler, il faut... C'est pas lui qui a pris des exemplaires de... J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui a acheté quelques exemplaires sur le toit de merde. Ah ouais? Oui, enfin, d'accord. Moi, je sais que la semaine dernière, il y a une dame très tard le soir, juste avant le carnaval, qui voulait qu'on ouvre à nouveau Zouk TV pour venir lui... Oui, je lui ai dit non. Elle voulait venir faire quoi? Elle voulait venir acheter des exemplaires, mais on était fermés déjà. Donc je l'ai eu au téléphone, mais je n'étais pas là. Je lui ai dit oui, mais excusez-moi, mais ce ne sera pas possible. Mais très charmante dame, elle a dû revenir après. Voilà. Bonjour à elle et bonjour à tous les téléspectateurs et à nos amis chroniqueurs et à toi-même, Malou. Merci, bonjour, bonjour. Bonjour, le rédacteur en chef de justice, M. Michel Branchy. Comment ça va, Michel? Mais ça va, non. Nous essayons de suivre un peu l'actualité, en particulier la question principale du moment, c'est quand même la question de la réforme des retraites. Hein. Nous essayons dans le journal de donner à nos lecteurs des éléments de compréhension, parce qu'il y a un aspect technique assez complexe. Alors on voit à l'antenne en ce moment même la page retraite outre-mer. Justice s'entend. Merci beaucoup, Michel. Bonjour, Charles. Comment ça va? Très bien. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Zouk Télévision. Parfait. Très content d'être là et puis de pouvoir commenter avec mes camarades de l'actualité. Je sais que tu aimes le carnaval. Ça a oui, été, ça s'est très bien passé. J'ai été relativement sage. Ah bon? Relativement. Relativement, souligne. D'accord. Parce que bon, je me suis laissé entraîner dans les soirées. L'après-midi plus le soir, c'est pas évident. Mais bon, j'en ai plus 20 ans. Voilà. Ceci dit... Il y a une quarantaine d'années, je faisais tout ça sans problème. Hein. L'après-midi, le soir, le matin, c'est bon. Là. Les vidéos en pyjama. Les vidéos en pyjama, absolument. Ils se contentaient de 4 heures, 5 heures de sommeil. Ouais. Et des fois, on ne dormait pas. Et parfois, on ne dormait pas. Exactement. Alors, on va revoir, s'il vous plaît, l'image du livre de Charles, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Insulitude. Insulitude, oui. Voilà. Bon. Très modestement. Tu as déjà fait des réassorts? Tu as combien, enfin pas combien d'exemplaires? Je ne sais pas du tout le nombre d'exemplaires. Très, très, très tristement, j'ai appris le décès de l'éditeur. Ah oui, Ex-Braya. Oui. Ben, salut à son âme et à sa famille. C'est lui qui m'avait permis de publier cet ouvrage, donc une petite pensée pour lui. Ouais. Bien. Ça a été l'éditeur, c'est aussi l'éditeur de ton livre? Non, je suis l'édition. Non, absolument pas. Voilà. Oui, pardon. On commence par les actualités. Alors, de chacun. Alors, une petite pensée pour Béatrice. Oui, elle n'est pas là. Mais bon, ça nous permettra d'être en toi, mais enfin bon. Moi, je la regrette profondément. Je le dis haut et fort. Bon, ça sera répété. Et exagéré. Voilà. Alors, tu parlais d'actualité avant qu'on commence le sommet. Oui, bien sûr. Oui, quelques éléments d'actualité. J'ai reçu lundi des documents extrêmement intéressants de Patrick Chamoiseau. Il prépare un ouvrage et il a une déclaration. C'est intitulé « Faire pays, éloge de la responsabilisation ». Okay. J'ai signé sans problème la déclaration qu'il propose. C'est très simple, vous connaissez le syndrome du poulailler, n'est-ce pas? Nous sommes dans notre petit territoire, nous avons de petites ailes, nous ne le voulons pas. On peut penser aux paresseux, enfin l'animal, c'est un peu paresseux. On peut penser aussi à des images de Césaire, le mendiant arrogant. Et tout ça pour dire que, vu le contexte, l'appel d'air, si je peux m'exprimer, qui se met en place, il faut que chacun de nous travaille et apporte une contribution. Quelle que soit la vision que l'on peut avoir, et il faut effectivement travailler, faire des projets, faire des propositions. Et ça, c'est le premier élément, et je salue Patrick d'avoir fait cet écrit. Mais d'ailleurs, moi, je suis juriste.
parfois un peu terre à terre, légèrement philosophe, mais Patrick, dans ses écrits, le littéraire, à travers les mots, il fait transparaître un certain nombre de sensations et de significations. Ça me rappelle un peu ce que je disais de Césaire lorsqu'il faisait ses discours. Il avait un parler extrêmement bien ouvragé, et parfois avec des mots savants, mais les messages passaient, c'est ce que j'appelais le langage tellurique. Et Patrick, il emploie plusieurs concepts, et il y a un concept qui me plaît particulièrement, c'est le concept de pays-nation. Pays-nation, et là ça soulève effectivement une certaine vision de la répartition des pouvoirs qu'il peut y avoir entre le centre et la périphérie, notamment, illustre à mon avis ce qu'on peut appeler la subsidiarité. Là, mon deuxième élément d'actualité dans cette perspective, parce que moi je crois qu'il faut travailler, donc nous continuons à travailler, donc je parle de l'octroi de mer, et là, à partir d'une question qu'avait posée Barbara Jean-Élie lors de la conférence, débat que nous avions fait le 25, elle se posait la question de savoir quelle était la fonction de l'octroi de mer, quelle était sa causalité. Est-ce que cet octroi de mer, n'est-ce pas, ça n'avantage pas l'État qui ne donne pas les mêmes dotations que nous devrions avoir si nous avions été véritablement hexagonaux. Alors là, avec Bruno Marques, nous avons entamé une étude que nous prolongeons, c'est nous appeler la causalité partielle de l'octroi de mer. Ça veut dire quoi? Il s'agit de savoir si l'octroi de mer a une finalité, c'est la causalité finale, et d'où vient l'octroi de mer? Quels sont les événements qui ont été mis en place pour que l'octroi de mer existe? C'est ce qu'on appelle la causalité effective. Et à partir de ces éléments-là, on va essayer de voir quelle est effectivement la potentialité qu'a l'octroi de mer au niveau économique, au niveau fiscal et au niveau politique. Vous annoncez ça, mais nous sommes juste au début de cette deuxième étape, et ça va faire l'objet, bien sûr, d'un autre ouvrage, ou d'un ouvrage que l'on va moderniser. Et puis, la troisième actualité, hier, mercredi, j'ai assisté dans le cadre du Rotary, que Charles connaît bien, il vient souvent écouter les conférences qu'on a, une magnifique conférence du docteur Rudy Valentino, okay, qui est au service de réanimation, pneumologue, et il s'occupe de l'éthique en matière médicale, et il a une mission particulière ces jours-ci, donnée par le gouvernement, puisque vous savez qu'actuellement, on prépare un projet de loi, n'est-ce pas, sur la fin de vie. Et dans ce cadre-là, il entre en contact avec les différentes organisations, sociétés ou compatriotes. Et je pense, Mano, que tu auras l'occasion de l'inviter pour qu'il te parle, n'est-ce pas, de sa vision et des conclusions auxquelles il parvient. Et bon. Okay. Mais la confiance que l'on peut avoir et que l'on doit avoir, n'est-ce pas, dans l'hôpital, et surtout comment aménager sa fin de vie et voir toutes les perspectives qu'il y a. Le législateur a beaucoup évolué en la matière, hein, et je crois que le législateur veut aller encore beaucoup plus loin. Alors voilà mes actualités. Tes actualités. Quelle actualité as-tu, Michel, ou tu veux peut-être réagir sur ce que Philippe vient de dire? Non, je réagis notamment sur l'octroi de mer. Bon. Bien entendu, je pense que c'était intéressant de voir la fonction économique, la fonction fiscale, la fonction politique. Politique, bien sûr. Bon. Mais pour moi, la question... Excuse, hein. Je t'en prie. La question est simple. La question... Je dirais que la question est ultra simple. Elle se trouve dans l'histoire du rapport entre les colonies et les métropoles. Et notamment, il y a une histoire qui est similaire à la nôtre, c'est l'histoire de la colonie des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne.
la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'embryon d'État qui a construit sur les États-Unis quand les États-Unis ont voulu instaurer une taxe sur les textiles. Autrement dit, la fiscalité est souvent un lieu d'opposition entre les intérêts de la colonie et de la métropole, au sens étymologique du terme, bien sûr. Mm-hmm. Bon. Autrement dit, il est consubstantiel que l'existence de l'Outre-mer soit insupportable pour le ministère des Finances, pour M. Darmanin, pour M. Carenco et pour M. Le Maire. Et que par conséquent, sa fonction économique consiste à donner une autonomie, une relative autonomie financière. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons du taux. Sa fonction politique, que ce sont des élus martiniquais qui décident, et non pas une autorité, un parlement qui décide de la TVA en France. OK ? Mm-hmm. Mais oui, comme on veut le faire, parce que c'est ça le but. Et sa fonction politique et sa fonction, en plus sur le plan économique, c'est de faire en sorte que le marché martiniquais ne soit pas entièrement submergé par les importations. C'est ça, la question. Par conséquent, à mon avis, la question, elle est simple. Juste une petite remarque. Oui. Je suis d'accord sur les conclusions auxquelles il parvient. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur l'histoire. Parce que ce n'est pas tellement une histoire coloniale, Michel. L'octroi de mer, c'est pas autre chose que l'octroi municipal qui existe depuis le Moyen-Âge au niveau des villes. Mais je veux apporter cette vision-là. Je ne contredis pas tes conséquences. Nous y allons, mais l'histoire est là. Il ne faut pas totalement en faire une taxe coloniale. Bon, on parle de l'origine. Depuis la départementalisation. Non, d'accord. Okay. Depuis la départementalisation, c'est ce qui s'est passé. Je ne t'ai pas dit le contraire. Bon. Mais moi, je remonte aux Grecs et aux Romains. Et je passe par le Moyen-Âge pour que les choses soient claires. Mais alors, ça, c'est l'historien. Bon, voilà ce que je voulais dire. C'était pas le dire. D'accord, ok. Mais ceci dit, que l'on trouve des arguments, pour expliquer la consistance de l'octroi de mer et son efficience, et éventuellement le moyen de le rendre encore plus efficace, parce que, par contre, l'octroi de mer, depuis 20 ans, 25 ans, a subi des coûts qui ont diminué l'efficacité par l'Europe. Hein. Bon. Je suis d'accord sur ce point. Bon, parce que je comprends. Enfin, très intéressant. Oui. Alors, mon actualité, juste... Il y a un congrès au PPM qui s'annonce pour novembre, donc, me semble-t-il, le 22e, et c'est un congrès important, donc les balisés sont en train de se réunir. Combien ? Oui, c'est un... En novembre ? En novembre, voilà. On va changer de secrétaire, secrétaire général. Ah ben, tout ça est possible. Et donc, mais le secrétaire général actuel qui est devenu député, il ne peut pas assumer les deux rôles. Il peut, mais bon, peut-être qu'il n'en a enfin, plus il peut trop pas les assumer. Moyens. C'est-à-dire que statutairement, il le peut. Voilà, statutairement. Du point de vue pratique, du point de vue de l'occupation, du point de vue de son implication dans sa fonction, peut-être qu'il désire passer la main. Et puis, donc, est-ce que Charles Chamas, que tu connais bien, pose sa candidature ? Ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, Charles Chamas n'a pas d'ambition particulière. Mais il est au service, bien évidemment, de son parti. Ceci étant dit, la question ne se pose pas comme ça. Il y a un projet, il y a une maturation du projet qui doit être faite, et puis les balisés doivent se réunir pour travailler de manière à faire des propositions de modernisation, des propositions d'évolution, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient doctrinales, qu'elles soient du point de vue de l'organisation et tout. Et puis c'est un cheminement, hein, avec peut-être des séminaires, des débats qui s'organisent autour des thèmes, et puis tout ça sous la houlette et la direction donc, du président et du secrétaire général actuel, puisque c'est eux qui sont encore
fonction. Donc ça, c'est le PPM. Et puis, je reviens sur ce qui a été dit, qui était très intéressant, là, concernant l'approche. Alors, je n'ai pas lu le texte de Chamoiseau, mais quand on parle d'individus, moi, je crois très sincèrement que aujourd'hui, alors, je me suis fait apostropher à plusieurs reprises pour une déclaration que j'avais faite sur Martinique Première, et à propos d'un débat que j'avais eu avec les camarades de Philippe Pierre-Charles, me poser la question de savoir ce que je faisais dans la rue Opage. Enfin, j'étais assis à l'estrade et puis je ne refuse pas de débattre, donc je suis venu débattre. Et puis le journaliste m'avait posé la question de savoir est-ce que j'étais anticolonialiste, etc. Et moi, de préciser que je ne considérais pas la Martinique comme étant une colonie, aujourd'hui, statutairement et du point de vue institutionnel, je ne considère pas ça. On est département. Mais qu'il y a un état d'esprit, et c'est là où je veux éclairer les choses, il y a un état d'esprit, effectivement, une pratique administrative et politique qui laisse à penser que le gouvernement et l'État, aujourd'hui, nous considèrent, nous, et nous gèrent encore, nous, comme, j'ai envie de dire, des territoires qu'ils mettent à leur service. Alors bon. Ça, je souhaiterais bien qu'on en parle un jour de manière un petit peu plus approfondie, parce que très franchement, la métropole, Matéopolis, au sens étymologique du terme, hein, la ville-mère, eh bien, elle n'est plus celle qu'elle était, hein, et ne serait-ce qu'avec l'éducation, avec l'instruction, avec ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, les gens qui ne... Je ne parle pas d'instruction, je parle de connaissance. Hein. Aujourd'hui, les gens qui ne savent pas ne veulent pas savoir. On a trop de moyens à notre disposition, ne serait-ce que par Internet. On a trop de moyens. Et Wikipédia, qui est un outil dont on peut débattre que de la pertinence, vaut mieux aller chercher des informations sur des sites spécifiques. Mais bon, enfin, on a des outils, on a de l'information. Et cette économie de la connaissance-là, pour résumer... Elle permet à tout un chacun d'accéder à une information qui ne bonifie pas seulement l'individu, mais qui bonifie l'individu qui profite mieux du système dans lequel il est. Je prends l'exemple d'Internet et je prends l'exemple des smartphones. Il n'est aujourd'hui pas possible, pas imaginable de croiser quelqu'un qui n'a pas un smartphone. Je crois qu'on est autour de 12 ou 14% des gens qui n'ont pas de smartphone. Autrement dit, 86-88% de personnes ont des smartphones. Et quand on parle d'économie de la connaissance, ce n'est pas l'usage du smartphone en lui-même qui est important. C'est qu'est-ce qu'on fait du smartphone. Ce n'est pas l'utilisation du smartphone, pardon, qui est important. C'est qu'est-ce qu'on fait du smartphone. Si c'est pour envoyer des messages TikTok, si c'est pour envoyer des messages WhatsApp, etc., ça ne sert à rien. Enfin, ça sert, hein, du point de vue de la sociabilité, du point de vue de la fraternité, de la convivialité, etc. Mais du point de vue de l'économie de la connaissance, ça ne sert pas. Par contre, il y a énormément de fonctionnalités sur un smartphone qui permet à l'individu d'utiliser les réseaux pour se bonifier, pour devenir plus mûr, pour devenir plus intelligent, devenir plus réactif, devenir plus, j'ai envie de dire, efficient du point de vue de ses choix de consommation, etc. Et c'est en cela que Michel Drucker, qui a inventé, c'est un certain monsieur Drucker, mais c'est pas, peut-être pas Michel, qui a inventé le concept de l'économie de la connaissance et qui me semble être fondamental pour préparer ce 21e siècle-là, notamment dans les petits territoires que nous sommes. Et ça passe par la conscientisation, et cette conscientisation-là, eh bien sûr, elle vient de la démarche de l'individu, et c'est la somme d'individus qui fait le collectif, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire la population, le peuple, pardon, et la nation. Et donc, c'est vraiment très intéressant, donc c'est sur ça que je travaille ces jours-ci, et j'apprends beaucoup. Mais bon, je vois le sourire taquin de mon camarade d'en face, et on reprendra ce débat un jour. Alors, puisqu'on parlait de colonies, peut-être que ça nous permet d'aller dans le sommaire. Et Emmanuel Macron défend de nouveaux partenariats militaires en Afrique avec moins de soldats français et de bases co-gérées. Est-ce qu'on n'est pas en train simplement de dire à Emmanuel Macron que la France n'est plus la bienvenue en Afrique? Est-ce que c'est pas ce genre de message-là? Parce que le Mali, enfin, on voit un petit peu, hein, le franc CFA qui est attaqué, les gens ne veulent plus, il y a des drapeaux français qui sont brûlés. Est-ce que ce n'est pas une autonomie de la France que les gens recherchent à travers tout ça?
Bon, alors, précisément, ça nous ramène au sujet. De colonies. Bon, voici des pays qui ont obtenu formellement, dans les années 60, je dis bien formellement, leur indépendance. Mais ils sont dans des rapports de sujétion économique et politique et militaire avec l'ancienne métropole. Alors, ce ne sont pas des colonies, mais il y a un concept qui s'appelle la néocolonie. La néocolonie. Autrement dit, ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Afrique, c'est le rejet de, du système qui s'est appelé d'ailleurs la France-Afrique, mis en place par des hommes de confiance du général de Gaulle, dont le nom m'échappe. Jacques Foucault. Jacques Foucault. Bon. Alors, c'est un système à la fois économique, tu as cité le, t'as cité le CFA, tu as. Il y a les multinationales, Bolloré, bon, qui s'occupent des infrastructures, les marchés. Bon. Tu as la, les accords militaires, et puis tu as les accords politiques qui permettent de maintenir souvent des dictatures. Bon, les dictatures. Bon, par exemple. Soutenu par la France. Bon, soutenu par la France, par exemple. Sassou Nguesso que va voir Macron, il est là depuis 40 ans. Et il mène son pays d'une main de fer. Donc par conséquent, et qu'est-ce que dit Macron? Il dit je vais abolir la France-Afrique. Mais parce que, précisément, il y a eu des secousses de la part de ces pays-là. Alors, bien sûr, on nous dira. Quelquefois, ce sont des coups d'État. Hein, les coups d'État, c'est ce ne sont pas des changements de gouvernement à la suite d'élections. Ce sont des coups d'État, des factions militaires. Et puis, il y a l'intervention, bien sûr, de la milice Wagner. Bon. Les soldats russes. Les soldats russes. C'est une milice. Oui. Petit milice. Bon. Mais le fait est, c'est que tu as raison, il y a la pénétration économique, politique, militaire de la Chine et de la Russie dans le domaine, dans ce qu'on appelait le précaré de la France. Et un des moyens de Macron, c'est d'essayer d'aller dans d'autres pays. Par exemple, le Congo Kinshasa, bon, dans la République du Congo, et aussi l'Angola, pour étendre l'influence de la France à d'autres pays que l'ancien précaré francophone. Voilà, en gros, ce qui se passe. Mais c'est un changement dans. Macron est obligé de tenir compte de la volonté de changement de la nature des relations qui est de type colonial. Bien. Philippe, c'est ça, la France-Afrique. Oui, d'abord, historien, Charles. Historien, alors, oui. Pas historien, professeur d'histoire. Je n'ai jamais écrit d'ouvrage en histoire. Donc, je respecte vraiment les historiens parce qu'il faut aller dans les archives, etc., travailler. Alors, bon, je vais réagir sur ce que Michel a dit en donnant quelques éléments. En fait, ce qui est reproché à la France, c'est l'institutionnalisation de la prébende. Alors, les Français étaient là, et puis se servaient. Alors bon, il y a pas mal de pays qui pourvoient les Français du point de vue des richesses. Alors, l'Algérie pour le gaz, le Niger pour l'uranium, les hydrocarbures au Congo, au Nigeria, enfin bon. Et en fait, pour avoir les coups des franches, je dis les Français, c'est facile, hein, peut-être pas l'État français, mais en tout cas les grands industriels, ils vont et puis ils soudoient, ils corrompent les dirigeants africains qui eux-mêmes sont faibles
et comme je disais, institutionnaliser la prébende, c'est-à-dire ils donnent des mallettes de billets et puis ils se partagent des mallettes de billets. Les chefs, les dirigeants se partagent des mallettes de billets avec leurs proches, et puis la population, elle est oubliée. Bon, tout le monde se rappelle de Thierry Dole qui a été kidnappé au Niger. Hein, journaliste martiniquais et du François. Absolument. Et Thierry Dole, donc, c'est Areva qui exploitait les mines du Niger. Les pauvres autochtones voyaient l'usine exploiter les choses, savaient qu'il y avait une plus-value incroyable dessus, et puis ils ne recevaient absolument rien en échange. Donc, forcément, ça suscite des appétits et parfois, hélas, hein, des travers terroristes. Et mais je veux quand même préciser que, d'après mes recherches, hein, les investissements français continuent et la France est troisième puissance en Afrique, hein, derrière les États-Unis et derrière la Grande-Bretagne, même si la Chine et la Russie sont en train de rattraper le retard. Et les opérations de pacification, hein, les opérations de lutte antiterroriste, hein, par exemple, Serval, Barkhane, ont coûté environ 2,4 milliards d'euros entre 2014 et 2017 à la France. Pour quelles retombées financières et économiques, ça, certainement, qu'on ne sait pas. Et je pense que le français, Emmanuel Macron, le président français, il se rend compte du fait que parce qu'il est ancienne puissance coloniale, les Européens, notamment les Européens continentaux, parce que les Anglais sont quand même présents, mais les Européens continentaux, et entre autres que l'Allemagne, demandent aux Français d'aller faire la police, eux n'investissent pas dans cette police-là, et puis ils sont tranquilles, puisque les Français combattent le terrorisme, mais ce sont les Français qui dépensent de l'argent. Et puis les morts. Et puis ce sont les soldats français qui sont tués au combat. Et donc c'est une posture qui est tellement pratique que je pense que le président français s'est rendu compte du fait qu'il était peut-être manipulé par d'autres intérêts. C'est bien beau d'aller là-bas faire la guerre, mais parfois, peut-être faudrait-il aussi associer dans des groupes d'intervention les autres États. Voilà ce que je voulais dire. Mais la France-Afrique, depuis le président Hollande, je crois qu'il voulait y mettre fin. Et apparemment, il n'a pas réussi. Et Macron, on en avait déjà parlé. Enfin, c'est son deuxième septennat. Quinquennat. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a intérêt à partir de l'Afrique, financièrement? Quand tu formules les intérêts, il faut voir plusieurs aspects. Il y a la dimension géopolitique, c'est-à-dire la présence française par rapport au reste du monde. Je ne crois pas que la France partira du Gabon ni de Djibouti, ce n'est pas possible. Le Gabon pour des raisons financières et des raisons de ressources, et Djibouti parce que la stratégie indo-pacifique aujourd'hui de l'Amérique et puis de la Russie et de vers la Chine et vers les pays d'Asie du Sud-Est fait que la France a environ quelques milliers de soldats à Djibouti pour avoir une force réactive si jamais il se passe quelque chose par là, parce que les Français ont aussi des territoires au Pacifique, ils ont des territoires par là. Donc la dimension géopolitique, je ne crois pas que ces deux territoires-là peuvent être abandonnés. Les autres, oui. Les autres, oui. On va garder, bien sûr, un noyau de soldats pour protéger les ressortissants français qui vivent dans ces pays-là. Si jamais il n'y a encore Vini, on ramène tout le monde dans l'ambassade, ou alors en tout cas, on sécurise un quartier, et puis on organise des évacuations des Français. Mais, alors, et puis le deuxième aspect, quand il est financier, je regarde mes chiffres encore, 54 pays intéressent la France du point de vue du commerce, et sur ces 54 pays, il y a 50% des échanges qui se font avec le Maghreb seulement. Le Maghreb, c'est-à-dire le Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte et Libye. Le Maghreb, 8 États sont africains, dont africains d'Afrique noire, et 4 sont au sud du Sahara. 4 pays qui intéressent commercialement la France sont au sud du Sahara. Il y a le Sahel, Mauritanie, Niger, Tchad, Soudan, etc. Mali aussi.
Et donc, ce sont des pays qui ont des ressources, mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des pays qui intéressent financièrement, modérément la France. Donc je crois que Daesh, ACMI, Al-Qaïda, Maghreb islamique, sont des raisons qui incitent la France à rester là, même si d'autres peuvent penser qu'il y a des intérêts. Je le pense aussi, il y a des intérêts, notamment les ressortissants français qui vivent dans ces pays-là et qui vivent très bien. Est-ce qu'on peut penser que la Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion, tous ces pays-là, tous ces départements français, sont un petit peu comme ces pays-là qui donnent la grandeur de la France? Parce que si on enlève tous ces pays-là à la France, c'est la Belgique, grosso modo. Du point de vue géopolitique, je répète, les départements, les DROM, les départements et régions d'outre-mer, donnent à la France un rayonnement mondial. La France est le dernier État, nation, enfin le dernier État, à avoir gardé ses anciennes colonies et les avoir transformé leur sort de manière à être présent sur les cinq continents. Et j'avais eu la chance de déjeuner à côté du commandant supérieur des forces armées anti-Guyane. On avait parlé très librement, je ne me rappelle pas de son nom. C'était un marin, un vice ou un contre-amiral. Et il me disait que son collègue avec lequel il avait travaillé dans la Caraïbe pour faire des manœuvres militaires, eh ben c'était le général 4 étoiles de la marine américaine. Donc il était tout content. Parce que lui, c'était une promotion, une double promotion. Je crois qu'il était amiral. Bon, enfin, je ne connais pas les corps, les grades de l'armée, de la marine, mais il n'était pas. Je crois qu'il était. Il y a brigade, il y a division. Non, c'est un généraux, ça. Oui, amiral. Oui, amiral. Je ne connais pas. Au niveau de l'amiral. De brigade, division. Vois, corps d'armée. Corps d'armée et armée. Voilà. Eh bien, lui, au niveau de l'amiral, je crois qu'il était en deuxième. 5 étoiles. Voilà. Il était au deuxième rang et il avait travaillé avec le plus galonné. Et deuxième élément. Il a travaillé avec le plus galonné des Américains, donc il était très content. Et deuxième élément, figurez-vous qu'il m'avait confié qu'il avait une frégate qui était tombée en panne dans la Caraïbe, et cette frégate-là n'était pas loin de Cuba. Et il a demandé la possibilité à Cuba de venir faire la réparation dans leurs eaux territoriales, ce que Cuba a accepté. Il parle dans des années 2010, hein. Et ça s'est très bien passé. Et puis ils sont repartis, ils ont pu mettre de l'eau, etc. Ils sont repartis. Et c'est grâce à lui que la France, puis l'Europe, a recommencé à envisager des relations diplomatiques avec Cuba. Donc pour dire que les petites confettis d'île, avec quand même une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés, qui est la deuxième zone économique exclusive mondiale derrière les États-Unis, ces confettis d'île-là donnent à la France un rayonnement, une présence géopolitiquement qui est extraordinaire. Alors, Philippe, si oui. Tu veux réagir. Oui, 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 mais bien sûr, mais je suis totalement de l'avis de Charles. Oui, absolument, il fait une bonne analyse. Moi, je pense que la France ne veut pas se retirer, pensez-vous. Elle veut rectifier elle veut rectifier le tir, ok, puisque effectivement, comme tu le dis, bon, elle est la seule à y aller, et c'est bien pratique pour les autres, n'est-ce pas, de n'avoir rien à dépenser, absolument pour l'Europe. Mais je pense qu'elle veut et conforter son prix carré face, n'est-ce pas, à la Chine, face à la Russie. Et je lisais un peu moi les textes de Monsieur Macron. Dans la coopération, il dit africanisation et mutualisation. Okay, d'accord. Et je cite, hein, j'interprète mal, je suis un juriste, donc j'ai parfois mauvais esprit. Réduction visible des effectifs français. Réduction visible des effectifs français. Donc j'insiste lourdement. Sur le visible. Mais oui. Donc, mais oui, c'est dit, c'est très diplomatique. Mais vous comprenez ce que cela veut dire, effectivement. Il n'est pas question de se retirer. Oui, oui. Mais il faut moderniser, ouvrir un peu plus. Mais il serait temps que ces États, nos compatriotes États africains, n'est-ce pas, se développent et aillent dans le sens, n'est-ce pas, de véritables gouvernements qui profitent à eux-mêmes, au peuple africain eux-mêmes. Alors, Michel, est-ce que la France sans les Outre-mer, les DROM, serait un pays comme la Belgique, quoi? Non, mais c'est évident. À ton avis, est-ce que tu penses que nous sommes comme les colonies africaines toujours, hein? Mais bien sûr. Bon,
Enfin, moi, je développe l'idée que nous sommes... alors, les formes de suggestion, de rapport, de domination. La domination, c'est quoi? C'est la domination politique. Les lois qui s'appliquent aux Martiniquais ne sont pas votées par les Martiniquais. Nous le voyons, par exemple, à l'occasion de la question des retraites. Bon. Le sujet brûlant de ces jours-ci. Je pourrais développer tout à l'heure si on en parle. Bien. Bon. Donc, les rapports de domination, dans la forme, ont changé. Auparavant, il y avait un gouverneur, à Martinique, avec un conseil privé, qui était constitué des propriétaires terriens. Bon. Et c'était une administration directe. Et le conseil général de la Martinique ne pouvait voter des décisions que si elles étaient homologuées par le gouverneur. OK ? Aujourd'hui, c'est un préfet. Bon, aujourd'hui, c'est un préfet. Et c'est l'actuel président de la CTM a dit quel est le rôle du préfet, lui. Bon, alors, le préfet, contrairement à ce qu'il pense, le préfet a un rôle considérable. Bien. Alors, je ne sais pas s'il a posé la question, mais je pense qu'il a la réponse. Parce que dans la pratique, il sait bien. Bon. Donc, si tu veux, les formes ont changé. Je ne vais pas faire un cours de droit. Les formes ont changé, elles ont évolué avec le système départemental lui-même a changé avec à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, notamment, bon. Mais dans les faits, on s'aperçoit que aussi bien en ce qui concerne la loi que le règlement, et on le voit dans certains domaines. Je vais prendre un exemple simple. Le problème. De l'ensablement Vauclin. Bon. Pour pouvoir faire des interventions et avoir les autorisations nécessaires, il faut que ce soit la DEAL qui donne l'autorisation. Et nous avons connu ça lorsque nous étions à la direction de la CTM. Par conséquent, donc, vous voyez bien que malgré la décentralisation, on a des ententes. Par conséquent, et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. C'est que les liens de suggestion, ils ont changé de forme, mais ils ne sont pas changés de nature. Voilà. Bien. et je pense que c'est possible de les changer. Et c'est ce à quoi on travaille, par rapport à l'autonomie. Exactement. Mais oui, mais je pense que c'est possible de les changer. Parce que, très franchement, enfin, bon, je ne vais pas me mettre à être l'audateur de l'État français. Mais bon, hier, j'ai été en consultation médicale, je n'ai absolument rien payé. Ce matin, j'ai eu donné cours à une trentaine d'élèves, ils n'ont absolument rien payé. Enfin, je veux dire que beaucoup de personnes, notamment les indépendantistes, veulent se mettre à la diète, arriver au crépuscule de leur vie. Et est-ce que c'est ce qu'ils veulent pour leurs enfants? Enfin, personnellement, moi, je souhaite que mes enfants et mes petits-enfants dispose des conditions de vie dont j'ai disposé moi-même. Par contre, je rejoins Michel avec des pouvoirs normatifs et réglementaires locaux qui nous permettent de décider pour nous-mêmes, et c'est ce que Serge Letchimy essaie de... Alors, je crois être bien passé pour dire que, bon, hein, on attend le troisième volet du Congrès, hein, notamment avec les propositions des deux juristes, Mme Théormont et M. Boutrin, voir comment il y a possibilité de faire évoluer tout ça, pour que nous ayons des outils institutionnels qui nous donnent des, non pas des habilitations, mais des pouvoirs normatifs, et qu'on puisse adapter les lois à notre réalité. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais ce que dit Charles est extrêmement important en ce qui concerne la compréhension du mécanisme de domination, de suggestion. Ils ne sont plus aussi directs et brutaux qu'ils étaient. C'est pourquoi j'ai parlé de l'époque des gouverneurs. Au bout d'un moment, c'est ce qui fait que les Martiniquais, particulièrement les Martiniquais, ont demandé la départementalisation. Mais ils ont demandé la départementalisation. Je rebondis à ce que tu dis à propos de la sécurité sociale. Ils ont demandé la départementalisation à un pays
qui venaient de faire aussi un bond en avant dans le progrès social, grâce à quoi? Le Parti communiste faisait 25% des voix en 1946. Le ministre de la Sécurité sociale, c'était Ambroise Croizat. Le ministre de la Fonction publique, c'était Maurice Thorez. Donc, parmi les développés, la France a un acquis de protection sociale qui est beaucoup plus, qui a été renié entre-temps, mais qui était beaucoup plus avancé que beaucoup de pays comparables. Je pense à l'Allemagne, je pense à, peut-être pas à la Grande-Bretagne, mais certainement les États-Unis. Donc, cet acquis social différencie la Martinique des autres colonies. Mm-hmm. Et la Guadeloupe, en fait. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ça différencie. C'est ce qui fait la caractéristique. C'est ce qui fait que chaque fois que la question du changement institutionnel est posée, on fait le chantant. Je dis, vous voulez changer ? On va vous supprimer les acquis sociaux. Ouais. Non, ça c'était à l'époque de Mitterrand, à l'époque à l'élection de Mitterrand. Non, mais jusqu'à maintenant, mais quand Darmanin, je donne la parole. Bon? Darmanin, il c'est juste. Alors pardon, juste Monsieur Boutrin, le juriste Boutrin, c'est ça. Il a fait allégeance au PPM? Non, je demande. Je ne peux pas répondre à cette question-là. T'as taquiné un petit peu plus en fait. C'est pas une taquine. Non, mais. Ah oui, ce que tu dis là. Non. Mano, c'est malicieux. C'est malicieux, voilà. C'est malicieux. Non, c'est que j'ai pris du temps à comprendre de qui il s'agit. Non. C'est pas Boutrin. C'est pas le chroniqueur sportif de Radio Caraïbes. Non. Alors, c'est pour dire que nous travaillons en bonne intelligence avec tous les groupes, c'est ça en fait. Philippe. Oui, alors moi, j'avoue que je suis agacé lorsque j'entends parler d'autonomie. Je suis agacé parce qu'on confond tellement de choses. Et effectivement, autonomie en avance, indépendance, la peur de perdre des acquis sociaux. Mais enfin, l'économie, si je reviens sur ce point-là, c'est fondamental. Il ne faut pas s'enferrer dans des textes, bon Dieu de bon sang. L'autonomie, c'est, je le répète, et je ne cesse de le répéter, vous avez deux principes dans l'autonomie. Deux principes. Le premier principe, n'est-ce pas, c'est le lien entre le centre, appelons périphérie, nos pays-nations, pour reprendre le terme de Patrick Charmoiseau. D'accord ? Ok. Et le deuxième principe, n'est-ce pas, c'est la différence dont il faut tenir compte. Et sur le fondement de cette différenciation, il y a un droit à la différence. Et à partir de ce droit à la différence, il faut effectivement pouvoir donner un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de libertés à ces pays-nations qui peuvent se gérer au mieux puisqu'ils sont beaucoup plus proches de la différence. Alors, il faut que l'on sache qu'on est dans cela. C'est, je répète ma fausse équation, c'est égalité plus liberté. Alors, le curseur peut bouger, bien sûr. La décentralisation est une forme d'autonomie. L'article 73 aussi, l'article 74 des États associés. Mais il faut bien comprendre que l'autonomie, c'est un concept que je qualifie de relatif. OK ? Tandis que l'indépendance, c'est un concept théorique, intellectuellement absolu. Voilà ce que je voulais dire, mais qu'on se tienne à cette philosophie. Parce que l'autonomie dans l'esprit de Césaire, c'est la suite de la négritude. Je n'existe pas. Ok ? Et j'affirme mon existence en tant que nègre. Mais une fois que j'affirme mon existence, il faut, n'est-ce pas, savoir comment je me gère politiquement. Et à ce moment-là, la place est ouverte à l'autonomie. Mais nous reviendrons sur ces points. Parce que c'est fondamental, il faut que les choses soient claires à ce niveau. Mais je pense que ce serait intéressant de parler d'autonomie et d'indépendance hors d'une période électorale pour que les gens comprennent bien. Parce que c'est souvent à l'approche des élections qu'on brandit l'autonomie. Nous sommes en période électorale, hein? Non, justement. Je suis d'accord avec toi. Et permettre aux gens de comprendre. Parce que les gens se disent, je perdrai mes droits à la retraite, je perdrai les allocations familiales. C'est ce qu'on dit. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre. C'est de l'intoxication. Ben oui. Donc, c'est si nous pouvons, quelque part, démontrer la réalité et permettre aux gens de bien comprendre la différence entre les deux. Non, mais ce que tu dis est fondamental. Tout à l'heure, tu as dit... Non.
La dernière fois où ce discours a été utilisé, c'est lors de la consultation de 2010, lorsque un certain nombre de gens disent on va demander une forme d'autonomie dans l'article 74. Ceux qui se sont opposés à l'époque à l'article 74 et qui ont dit on va prendre des habilitations, la troisième voie, ils ont surtout dit vous allez perdre les acquis sociaux, vous allez perdre le SMIC, vous allez perdre la sécurité sociale. Et les fonds européens. Et les fonds européens. Bon, par conséquent, et quelque part, dans les coulisses là, moi je pense qu'il y a une opposition à l'intérieur même du pouvoir actuel en France. Entre les propos de Darmanin, qui a dit, si vous voulez l'autonomie, c'est sans subvention. On m'a dit, on vous lâche, on vous aide plus. OK? Et Macron, qui a, il y a 8 jours, qui s'est invité à une réunion au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Une réunion qui se faisait au ministère de l'Intérieur avec les élus corses. Et il a dit aux Corses, moi, notamment il y avait le président de l'Assemblée de Corse, il a dit, pour moi, il n'y a pas de tabou sur le plan institutionnel. Si vous voulez l'autonomie, il n'y a pas de problème, on n'est pas en discuter. Et il a même ajouté, cela va nécessiter une réforme de la Constitution. Donc, à un moment donné, il y a les concepts, certes, mais les concepts doivent être traduits juridiquement. Bien sûr. Juridiquement. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Bon, aujourd'hui, et ça j'assume ce que je dis, s'il n'y a pas de changement dans la Constitution, la seule manière d'avoir l'autonomie, c'est l'article 74, avec une loi organique pour compléter, pour donner du contenu au statut. Mais le président avait dit aussi qu'il n'était pas contre quand il est passé ici. Exactement. Alors, il a dit ça, c'est de la communication. Mais le problème, c'est qu'on a eu l'impression, avec les propos de Darmanin, qu'il y avait un rétro-pédalage. Je fais une remarque. On ne peut pas s'empêcher d'être juriste, parfois, donc à partir des concepts bien définis, on s'accroche. Mais là, d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre, articles 73 et 74 peuvent être confondus, mais on peut aussi avoir une vision plus dynamique de ce qu'on appelle l'autonomie, avec une répartition des pouvoirs qui se fait dans un autre sens. C'est pas du centre à la périphérie, mais peut-être de la périphérie au centre. Je parle de la subsidiarisation. Donc, et c'est ce que cherche le président du Conseil exécutif, c'est ce que j'avais compris. Un nouveau regard, n'est-ce pas, sur ces relations. Effectivement, il faut penser, il faut inventer. N'est-ce pas comme on fait dans le karaté, hein, Michel, on invente, hein, c'est bien ça. Bon. Il faut innover de nouvelles idées, mais, de nouveaux principes. Le karaté s'appuie sur la tradition aussi. Heureusement. Oui, ça. Heureusement. Un petit mot. Le français, du point de vue institutionnel, il est conservateur. Absolument. Les autonomies espagnoles n'empêchent pas à l'État et à la nation espagnole de vivre. Voilà. Les Länder allemands n'empêchent pas à la nation allemande de vivre. Et là, il y a nécessité de questionner tous les grands juristes, enfin les éminences, le Conseil constitutionnel et puis le Conseil d'État, etc., voir comment il y a possibilité de... Parce que on demande l'autonomie. Mais j'ai un ami haut fonctionnaire qui m'a dit que toutes les régions demandent l'autonomie. Hein. Toutes les régions demandent l'autonomie. Oui, absolument, c'est absolument exact. Hein. Toutes les régions. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre que... À 8000 kilomètres, on ne peut pas mieux comprendre ce que nous comprenons ici, exactement. Tous les problèmes que nous subissons. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? C'est la volonté de ne pas comprendre. C'est le logiciel qu'on peut qualifier de peut-être pas napoléonien. Oui, c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. L'article 1er de la Constitution française, il faut le lire. Il a été bon. La France est une république, une indivisible. Si on veut avancer vers l'autonomie, il faut supprimer ça. Tu as un alinéa qui vient après. Bon. Tu l'as pas. C'est une république décentralisée. Son organisation est décentralisée. Voilà. Son organisation. Bon. Autrement dit. Mais il y a combien de temps que ça a été écrit, ça? Ça peut être révisé, bon, non? Ça, depuis la Révolution française. Ah oui, bien sûr. Bon.
Il y a eu une petite, petite modification, nuance. C'est 2003, non? C'était la constitution de 1946. Je n'ai pas fait... La constitution de 1946 a dit ceci. La France a comme mission d'amener les peuples d'outre-mer à l'émancipation. Bon. Autrement dit, cette phrase est importante. D'abord, ce ne sont pas des populations, ce sont des peuples. On revient à l'idée de pays-nation. Oui, monsieur. Voilà. Tout à fait. Bon. D'amener les peuples à l'émancipation. Autrement dit, la France se donnait à cette époque. Dans quelle année? En 47? 1946. 46. Comme objectif, la décolonisation. D'amener les peuples à l'émancipation. Ça a été supprimé après par la constitution de 1958, celle de De Gaulle. Et celle actuelle-là. Ok. Ça a été supprimé. Et dans la constitution, et dans la droit, je me permets d'ajouter, pour terminer, pour ceux qui s'intéressent au droit, parce qu'il y aura une discussion juridique sur cette question. En 2003, voilà. Chirac a dit que nous étions des populations. C'est dans l'article 72 de la Constitution. Voilà. Et la ligne de l'article 1, c'est 2003. Voilà. L'organisation est décentralisée. Voilà. C'est bien ça? Voilà. D'accord. Moi, ça paraît très clair. On a fait un demi-pas. Oui, c'est tout. Et en fait, la nuance, l'État, c'est l'organisation administrative. Oui. La nation, c'est une organisation sociale, politique, juridique, d'un groupe de personnes. Hein, et, logique, ça. Et donc... L'État, c'est une organisation sociale, politique et juridique d'un groupe de personnes. La nation, c'est un groupe de personnes qui ont en commun une langue, une histoire et qui désirent vivre ensemble. C'est la définition d'Ernest Wedder. Le peuple, c'est un petit peu moins complexe que la nation. C'est les us et coutumes et puis la volonté d'être régi par les mêmes règles de fonctionnement, le peuple. Et la population... C'est la somme des habitants, quoi. La population, oui. Elle n'est pas identitaire, cette définition-là. Tandis que peuple et nation sont identitaires. Peut-être que... Oui, non, mais j'aime bien entendre les littéraires parce qu'ils font progresser, ils font évoluer les choses. Non, mais je viens sur la notion de pays. Si vous faites du droit, vous allez trouver qu'il y a plusieurs catégories de pays. Et oui. Mais lorsque Patrick emploie le mot pays, c'est dans une autre dimension. D'ailleurs, toi, je t'ai pris en flagrant délit, Mano. À un moment donné, voulant parler de nous, il allait dire pays, mais il a préféré parler des départements d'outre-mer. Je t'ai pris en flagrant délit. Pourquoi ne pas payer? Parce que je me rappelle, à l'Université des Antilles de la Guyane, lorsque nous préparions les statuts, moi, je m'engageais véritablement dans la voie des pays. Tu vois, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Okay. Et c'est une réalité pour nous, et nous l'avons fait passer. Mais tu vois, ces concepts-là, ils évoluent. Alors, faire peuple et faire pays, quelle est la différence? Alors, réfléchis sur ça. D'après moi, le pays, il est davantage cardiaque. Le pays est sentimental, et pays, c'est paysan. Pays, c'est pagi. Pays, c'est celui qui travaille la terre. Pays, c'est celui qui a l'amour de la terre. Territoire. Voilà, le pays, le territoire, en fait, c'est un espace aménagé politiquement. Le territoire. Mm-hmm. Et le pays, c'est vraiment la notion d'amour presque rachidien de son attachement à sa terre. Le pays est sentimental. Et le peuple, c'est pour moi, hein, parce que bon, il y a des personnes qui vont certainement aller vérifier les explications. Le peuple, pour moi, c'est un groupe de personnes qui ont des us et coutumes et qui partage des règles de fonctionnement qui se comprennent, qui vivent ensemble. Alors, je ne sais pas s'il y a toutes les notions de culture, de langue. Je ne sais pas si faire peuple, à mon avis, c'est moins profond que la nation. Et quand Glissant parlait de nation, il me semble, composite pour nous,
et de nations ataviques pour les Européens. Les Européens, ils ont déjà fait le travail. L'Académie française existe depuis le XVIe siècle. Les institutions, enfin depuis Hugues Capet, la France est France. Quand il y a eu les petits-fils de... Il y a eu la Lotharingie, il y a eu Louis le Germanique qui a eu... les petits-fils de Charlemagne, je cherchais. Il y a eu, donc, la Lotharingie, c'était du côté de la Suisse. Il y a eu Louis le Germanique qui a eu la partie allemande. Et puis, il y a eu la France occidentale. Eh bien, voilà d'où remonte la France. Nous sommes... Alors, on parle d'Atavique parce que... Eh bien, ils ont une langue, ils ont des coutumes, ils ont des institutions. Il y a eu trois dynasties. Il y a eu cinq républiques. Il y a eu deux restaurations. Enfin bon, c'est quelque chose d'extraordinairement profond. Et Louis XIV a centralisé. Napoléon a doublé la centralisation. Tout ça, c'est une histoire. Nous sommes une jeune nation. Et donc, il faut comprendre, quand Glissant parle de nation composite, eh bien, moi, je suis d'un immigré de fraîche souche syrienne. Mon père était syrien. Et donc, quand on parle de composite, eh bien, il faut donner le temps à toute cette alchimie-là, la possibilité de se faire. Mais par contre, nous avons un avantage sur les peuples ataviques, c'est que nous sommes tellement multiples que nous formons le monde entier. Nous avons des Indiens, nous avons des descendants d'Afrique, nous avons des Européens. Nous sommes dans une île. Nous sommes dans une île. Ça favorise aussi ce sentiment commun. Voilà. Tout à fait. Et c'est la créolisation. Il serait intéressant, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir une discussion avec Patrick sur Bazo. Parce que au niveau du pays, il y a la pensée politique. Mmh. Alors, il fait tout un schéma, tu verras. Mmh. Et je crois que ce serait intéressant de pouvoir discuter de tous ces concepts. Et je veux préciser qu'il y a eu des créoles en Europe aussi. Hein, parce que le mélange des cultures, ça a été une créolisation. Bien sûr. Vous savez que le concept de la territorialité, la personnalité des lois, elle vient de quoi? Pendant très longtemps, quand on était barbare, enfin, Ostrogoth, Visigoth, Alamans, Burgondes, n'importe quoi, qu'on venait dans l'Empire romain, on obéissait à ses lois à soi. Et quand les Romains partaient en conquête, ils obéissaient à leurs lois de l'Empire romain. Le souci, c'est que parfois on s'arrangeait, notamment quand il y a eu des métissages, parce qu'on connaît le genre humain. Il y a un Romain qui a trouvé une Burgonde à son goût, il a fait des enfants, et le petit métis, il avait la possibilité de choisir sa loi. Quand la loi était plus sévère, du côté de barbare, il choisissait la loi romaine. Et quand elle était plus sévère du côté romain, il choisissait la loi. Alors le législateur s'est dit, ah bon, eh bien on supprime la personnalité des lois et on met la territorialité des lois. Autrement dit, quand vous êtes à Rome, vous faites comme les Romains. Quand vous êtes en France, vous faites comme les Français. Enfin, vous obéissez aux lois françaises. Et c'est aussi valable pour la navigation. Hein, quand un navire arrive au port, eh bien, on obéit aux lois du port dans lequel le navire accoste. Bien sûr. Je voulais tout à fait dans le sens de ce que dit Charles. Et à partir du mot créole. C'est créare. Ça vient du latin créare. Ce qui fait que les gens qui viennent, par exemple, je prends l'exemple d'un Africain qui vient, n'est-ce pas, chez nous, à l'époque coloniale. Okay, bon, donc, s'il naît sur place, il sera créole, un nègre créole. Mais lorsqu'il vient de l'extérieur, ce n'est plus un nègre créole, c'est un nègre africain. Je veux dire par là que le créole, c'est celui qui est né sur le territoire. OK ? Tu as le chien créole, tu as la poule créole, OK, d'accord ? D'accord. Mais c'est créaré, donc c'est là, c'est le territoire, effectivement, qui donne son identité à nos créoles. Et pas uniquement une couleur. Pas uniquement une couleur. Mais le continent, mon ami
rédacteur en chef adjoint de justice, qu'ils appellent Maurice Belrose, qui est un spécialiste de l'Amérique latine et du Venezuela. Il enseigne régulièrement que l'Amérique latine, c'est le continent des créoles. Par conséquent, bon, donc, les créoles, je prends l'exemple du Venezuela, les créoles du Venezuela, qui constituent une bourgeoisie possédante, étaient extrêmement outrés qu'un Chavez, qui était un métis de noir et d'indien, ait pu devenir président de la République. Maintenant, au dernier mot. Le Spanglish, Spanish et English, qui se parlent à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, permet, c'est une sorte de langue vernaculaire qui permet aux Américains de collaborer avec. Donc les Américains ont l'ingénierie au nord et puis les Mexicains ont la fabrication, c'est-à-dire les usines. Eh bien, le Spanglish, c'est un créole qui a été créé comme ça. Et il paraît même, j'oublie, pardon, monsieur le sociologue, un sociologue qui est ici, qui est très connu d'ailleurs, qui a repéré à Thiers-Saint-Ville une sorte de créole naissant entre les Dominicains et les Haïtiens. Il y a une langue créole qui est en train de se pratiquer, qui est mi-espagnole, mi-française, mi-créole, mais qui permet à ces personnes-là de se comprendre, alors que nous qui sommes dans le territoire, nous n'allons pas comprendre. C'est ça la réalité. Parce que l'être humain, il est extrêmement... Tu sais, la plus grande fierté qu'on puisse avoir quand même, hein, du point de vue de notre métissage et du point de vue de notre identité créole, c'est qu'on a tout recréé. Tout. On a recréé le voisinage, on a recréé une langue, on a créé... On a pu, à travers les expériences et à travers l'empirisme des Caraïbes, on a pu apprendre des choses, on a pu, avec les médicaments, les ribes de rasier, enfin, tout a été créé, je veux dire, et l'imaginaire, enfin, on a déjà entendu un conteur, je veux bien toute espèce de choses, mais quand un conteur sait compter, ben, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est beau, et puis au carnaval, on peut être qui on est, mais quand les caisses claires s'accompagnent des grosses basses dans un vidé, qu'est-ce que ça fait vibrer, ce n'est pas possible. Le seul vrai pour faire dans la balle, c'est les avis d'obsèques. Ah oui, Jean-Emmanuel est mis fort là-dedans. Hein. Alors, la langue dont tu parlais, qui se prépare, se pratique là à Thiers-Saint-Ville. Oui. Moi, je pense que c'est une langue déjà qui existe quelque part entre la Dominique et Haïti. Hein. C'est possible. Parce qu'ils sont sur le même pays. Tout à fait. Je pense que quelque part, ça existe. Oui, j'ai compris, Marvin, et que ça existe. Alors, le maire du Lamantin hisse le drapeau rouge, vert ou noir devant l'hôtel de ville. Alors, est-ce que ça nous permet de faire encore plus peuple? Et est-ce que les autres mairies de la Martinique vont hisser sur le fronton de leur mairie le rouge, vert, noir? Ça, on en parle juste après la pub, si Grégory veut bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais juste avant la publicité, le maire du Lamantin hisse le drapeau rouge, vert, noir devant l'hôtel de ville. Est-ce que nous avançons donc notre volonté de faire peuple? Michel, peut-être, qui veut commencer le... Moi, Je pense que le problème, c'est surtout que après la décision controversée prise par la CTM, le véritable problème qui est devant nous, c'est que la population, dans ses profondeurs, s'approprie le drapeau au journal. C'est ça le problème. Je suis allé au carnaval, j'ai regardé, je n'ai pas vu beaucoup de drapeaux au journal. Je ne sais pas si tu as observé, j'en ai vu quelques-uns. Oui, j'en ai vu quelques-uns. Tu veux des tenues aussi, des gens qui mettaient des tenues. Mais je m'attendais, après la décision du conseil exécutif, de la CTM, qu'il y aurait... Bon, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, donc, cette question est devant nous. Cette question est devant nous, et par conséquent, bon, peut-être que d'autres mairies feront le pas. Mais la question, c'est que dans la masse de la population, que ce symbole, cet emblème,
et une signification profonde et une signification. On parlait d'amour. L'amour du pays doit passer à travers justement la reconnaissance du symbole qui le représente. Voilà. Alors, tu es au conseil municipal de la belle ville de Fort-de-France. Est-ce que le maire a dit qu'il mettra ce drapeau sur son fronton? Enfin, bon, j'étais au dernier conseil municipal, la mardi. Mm-hmm. Bon, je suis parti un petit peu avant la fin. J'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, ça n'a pas été évoqué. D'accord. Très bien. Philippe? Oui, quelques remarques. Sur l'emblème, le drapeau, bon, a été adopté. Et dans la mesure où nous sommes un pays-nation, il n'y a rien de plus normal, n'est-ce pas, qu'il y ait un emblème, un symbole qui représente le... Alors, juridiquement, je ne vois aucun obstacle à ce que la municipalité, n'est-ce pas, du Lamantin, n'est-ce pas, hisse cet emblème, ce drapeau. Cela est tout à fait logique, je ne vois aucun obstacle. Surtout qu'il m'a semblé, j'ai cru entendre l'opposition qui disait, qui critiquait le fait qu'il n'y ait pas eu d'information ou de décision du Conseil, mais que... L'opposition de la ville du Lamantin ou de la ville du Lamantin. Mais qu'ils étaient d'accord pour le drapeau rouge et blanc, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comme l'a dit Michel, eh ben, les choses vont évoluer, et on va progresser. Et puis nous verrons, n'est-ce pas, comment nous admettrons tous ce drapeau rouge et blanc, qui est notre emblème. Bien. Ce que je peux dire. Bon. Parfait. Donc, à certains moments, c'est vrai qu'on a fait un amalgame avec ce qui s'est passé anciennement, il y a deux ans, je ne sais pas. Oui. Donc, mais comme vous dites, les choses vont petit à petit. Je crois que c'est un drapeau que tout le monde. Ces couleurs-là, en tout cas, sont connues depuis nani nanan chez nous. Voilà. Alors, la délégation sénatoriale aux Outre-mer se déplace en Guyane du 26 février au 3 mars, puis en Guadeloupe le 14. Dans le cadre de ces travaux sur la continuité territoriale entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. Le Sénat s'intéresse au processus de continuité territoriale largement défavorable aux Outre-mer en comparaison avec la Corse. Encore une comparaison avec la Corse négative pour nous, puisque Béatrice Vélé nous parle de la continuité territoriale sur le prix qu'on donne à la Corse et ce qu'on donne aux Outre-mer, enfin, département Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et c'est toujours en faveur de la Corse. Non pas qu'il ne faille pas donner à la Corse, mais ce serait bien qu'on nous mette au même niveau que la Corse, je pense. Il faudrait qu'on devienne plus soldat, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je vous ai déjà dit ce que je pense. Hein. Oui. Je suis contre le concept de continuité territoriale. Ah oui. Je suis pour le concept. S'il s'agit de donner à nos pays, c'est l'occasion de parler net, à nos pays, le moyen de se désenclaver par rapport à leur environnement géographique, le moyen de se désenclaver par rapport à la France, à l'Europe, oui. Oui. Ouais. S'il s'agit de faire un contrôle de l'évolution du prix des billets d'avion, oui. Mais derrière l'idée de continuité territoriale, il y a l'idée que la Martinique, c'est l'Europe et qu'il faut la rattacher à l'Europe. Non. Voilà. Bien. Professeur? Non, j'écoute toujours avec plaisir ce que dit Michel. Cette vision de... C'est une vision assimilationniste. Bien. Et le raisonnement des le suivant, je permets... Il parle à ma place. Hein, non, vas-y, Michel. Je suis dans la continuité. Je ne pas les joueurs, le manquerai. Vas-y. Non, je termine un peu ce que je disais. Oui. Si tu permets. Le raisonnement des partisans de la continuité territoriale, je veux dire, nous sommes français, donc on doit pouvoir circuler normalement sur le territoire national, etc. Les Corses sont français, donc on doit avoir la même chose que les Français. Bon. Moi, ça m'hérisse, ce type de raisonnement. Bien. Alors, professeur. Attends, mais... Bon. Donc, tu n'es pas autonomiste? Je suis autonomiste.
Mais je suis autonomiste. Pas, mais... Je ne comprends pas, Michel, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Pas... Je suis autonomiste et je veux. Non, mais je tu veux bien le lien avec le centre, oui ou pas? Un lien? Oui, tu veux un lien. Mais je ne veux pas, pas d'identité, on va pas dire. On va pas d'où ça. C'est la même chose. On va pas d'où ça. Mais tu veux bien le lien. Tu veux bien circuler. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui. Professeur. Alors. C'est un problème extrêmement intéressant. D'ailleurs, d'après ce que dit Michel, continuité territoriale. Derrière la continuité territoriale, il n'y a pas seulement l'aspect transport. Hein. Ah, bien sûr. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin dans cette continuité. Mais les marchandises? Oui, mais notamment. Bon, monsieur Michel, me rappelez deux mots et puis on vous prend par autre. Bon, nous ne sommes pas en opposition. Mais le problème que j'ai, c'est peut-être que Michel va nous donner des informations, et puisqu'il est à la collectivité ou au Charles, la continuité territoriale, bon, parlons de transport, ok. J'ai vu les quelques auditions sur YouTube sur le fret maritime, ça n'a pas donné grand-chose, hein. D'ailleurs, il ne faut pas s'attendre à grand-chose au niveau du fret maritime. Ce sont des puissances économiques extrêmement fortes. Bon, mais je me pose la question qui est suivante. Il faut faciliter le transport avec l'Hexagone. Okay. Bon, alors, il faut voir qui finance et à quel niveau de revenus on va aider. Donc, il y a tout cela à voir. Et je ne sais pas, alors peut-être que vous pourriez apporter des précisions, ou Michel, tu pourras en apporter. Actuellement, comment s'est réglée la continuité territoriale? Qui finance? La DOM. La DOM. Avec des crédits qui viennent de l'État ou de la collectivité? De l'État. Et en partie aussi de la CTM. Et de la CTM. Et il faut avoir un niveau de revenu pour. 11 391 euros. De revenu fiscal. Annuel. Revenu fiscal. De revenu fiscal. Et lorsque, moins de ça. Moins de 11 300. D'accord. Et lorsqu'on a moins de ça, on a droit à quoi? Eh bien, on a droit à des aides. À des aides. Et vous n'avez pas le. Comment, tous les deux ans. Tous les deux ans. Un voyage, aller-retour. Voilà. Enfin, on finance une partie du voyage. Je une sais partie. Pas, je pose partie, la question. Une partie. Parce que lorsque les gens viennent acheter un billet d'avion chez nous, ils viennent avec un bon de la DOM. Et c'est ça. Qui complète ce qu'ils ont, quoi. Ce donc c'est une part, d'accord. Oui, c'est une et c'est fixe, alors il n'y a pas plusieurs catégories. Non. Aujourd'hui, non. Contribution, les aides simples et majorées ont été fusionnées. Bon. Mais je voulais. Pardon. Vas-y, non, ben Charles. Je voulais rebondir sur ce que dit Michel. N'oublions pas qu'il y a Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et puis il y a la cinquième île. C'est les Dominicains qui vivent là-bas et qui souvent sont en situation. De social pas très reluisante, quoi. Donc c'est surtout à eux que je pense. C'est surtout à eux que je pense. Et les intérêts qu'on qualifie administrativement. Et à l'état actuel, ils sont aidés, ces gens-là? Alors, justement. À partir de quels critères? Non. Alors, c'est là qu'il y a un travail à faire. Quand on parle d'intérêts matériels et moraux, voilà. Bon, c'est une manière pudique et une litote, enfin, un euphémisme. Pour dire finalement que les Martiniquais qui vivent en France, eh bien parfois, ils souhaiteraient bien revenir au pays de temps en temps pour se ressourcer. Ne serait-ce que pour accompagner à leur dernière demeure un parent. Par exemple. Des fois, ils ne peuvent même pas voyager. Il y a les mutuelles qui couvrent ça. C'est vrai. Ah, d'accord. Les mutuelles, il faut les payer. Ouais. Les mutuelles, il faut les payer. Il y a une cotisation de mutuelles. Et donc, moi, je crois que indépendamment du fait que ce que Michel dépeint là comme étant la continuité territoriale, bah oui, mais ça indépendamment de ce fait-là, moi je crois que ces personnes, nos frères et sœurs qui sont là-bas, méritent une attention et il faut absolument travailler dans ce sens. Non, mais nous sommes d'accord. C'est le concept que j'ai. Oui, j'ai bien compris. Mais la chose elle-même. Bon, effectivement, la DOM, alors, sous l'influence quand même. De certaines protestations, le budget de la DOM, me semble-t-il, le dernier budget de l'Outre-mer, a été un petit peu augmenté, hein, parmi les mesures qui ont été prises. Bon. Et par conséquent, mais la question d'une enquête, de mettre à jour cette situation, ce que tu dis là, la situation des originaires d'Outre-mer qui sont en France, et la définition de ce qu'on appelle les intérêts matériels et moraux, qui est un problème extrêmement complexe sur le plan juridique. Bon,
notamment pour la question des, par exemple, des congés bonifiés. Tout à fait. Les congés, bon, notamment dans l'assistance publique, et au PTT, ou bien, et même dans la police, pour pouvoir avoir droit, parce que dans la fonction publique, il y a quand même les congés bonifiés. Mais pour pouvoir être éligible à ces congés bonifiés, pour prouver qu'on a des intérêts matériels et moraux dans le département d'origine. Et c'est extrêmement complexe. Donc ce sont des questions. Excuse-moi, Michel, tu étais fonctionnaire. Oui. Attaché ici. Oui. Attaché ici. Justement, est-ce que tu bénéficiais de retourner en France tous les deux ans? Non, je n'ai pas dit que tu as demandé. Oui, oui. Mais d'après la loi, tu avais droit... Tous les cinq ans. Tous les cinq ans à retourner là-bas. C'était modifié. Oui, donc j'ai bonifié. On va aller là-bas. Et ça continue mais toujours mais la jusqu'à du maintenant. Temps. Je crois que ça diminue. Ça diminue, oui. Ça existe encore. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais la plupart du temps, déjà à l'époque, on ne demandait pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu étais en France pendant un an, tu ne percevais pas les 40%. Donc, oui. Alors, quand tu pars... J'en ai bénéficié une fois. Mais j'étais parti avec... mes trois enfants et ma femme, et je me suis rendu compte comment t'as qu'à prendre fait. Parce que nous t'es coincé dans un appartement à Paris, et nous t'es allé sur la Côte d'Azur ou bien en passant du côté pour payer, tu connais bien comme ça. Bon, d'accord. On va t'en dire les 40%. Donc tu pouvais refuser. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Non, je ne demandais pas. Je ne demandais pas. Alors, je l'ai pris une fois, c'était pour soutenir ma thèse de docteur à l'époque. Donc ça remonte au siècle dernier. D'accord. Et toi, Charles? Non. Jamais demandé ça non plus. D'accord. Alors, on passe à un autre sujet, si vous voulez bien. Les nouveaux tarifs de consultation proposés par l'assurance maladie ont été rejetés à l'unanimité par les deux principaux syndicats du secteur. Alors, il parle que de 21, ils sont passés à 50, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ils sont à 25, on leur propose 26,50. Ah, ouais, 25, ouais. 26,50. Et on leur propose 30 si jamais ils assurent des gardes et s'ils prennent davantage de patients. Et s'ils vont en désert médical. Voilà, en désert médical. Vas-y. Je vais parler de ça parce que j'ai une interlocutrice qui est à Paris et qui a beaucoup d'amis médecins. Et donc, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand on a une consultation à 25 euros, 26 euros, et qu'on a une seule pathologie, ça se vérifie sur l'ordonnance. Mm-hmm. C'est 26 euros. Mais quand on vient avec un patient qui a 5 pathologies et qu'on l'ausculte pour 5 pathologies, ce n'est plus 20 minutes. C'est parfois une heure quand on fait les choses convenablement. Et il faut donc que l'État se rende compte du fait que la consultation, ce n'est pas un bloc horaire et un acte médical. C'est beaucoup plus complexe que cela. Deuxième élément. Alors, on dit les médecins, il faudrait que la solution, ce soit qu'on oriente les médecins vers des zones sous-dotées. Tout le territoire français est sous-doté en médecins. Tout le territoire français est sous-doté en médecins. Alors, il y a la Martinique y compris. Surtout la Martinique, qui est un gros désert médical. Alors, on dit qu'il faut augmenter le numerus clausus. D'accord. Il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc, on ne va pas casser le numerus clausus aujourd'hui pour avoir tout de suite des médecins. Il faudra attendre 10 ans. De plus, la réalité, c'est quoi? C'est que les facs et les hôpitaux où sont formés les médecins sont archibondés. Les étudiants en médecine s'assoient dans les travées. Et les hôpitaux, un chef de service, il peut accueillir quoi? 7, 8, 9, 10. 10 internes, mais pas plus. Sinon, la formation n'est pas pertinente. Donc, on se trouve face à une situation, un problème difficile. 3. La politique peut changer les choses. Ah bon? Alors, aujourd'hui, quand on a un jeune médecin, on traite 10% de patients en moins qu'un médecin qui est en âge, qui a la bouteille, etc. Donc un jeune médecin n'est pas aussi pertinent qu'un ancien médecin. Il faut lui donner le temps d'apprendre son métier. Alors on parle même aujourd'hui d'aller chercher des vétérinaires
pour les réorienter, si, très sérieusement, pour les réorienter de manière, parce qu'ils ont une base médicale suffisamment certaine, pour qu'en 3 ans, non mais, je vous assure que c'est terrible, terrible. Tout ça parce que les médecins, en fait, ils sont pas suffisamment payés par rapport à la charge. Je vais quand même vous donner lecture de ce qu'un médecin fait. Alors c'est 10 heures de travail par jour, en moyenne, hein. Et donc, 57 à 60 heures par semaine, ils ont les consultations, ils ont secrétariat, ils ont comptabilité, ils ont la formation, parce qu'il faut aller se former quand on part en congrès. Il y a la réception des délégués médicaux, les personnes qui viennent présenter les nouveaux médicaments, etc. Il faut assurer les gardes, il faut assurer la coordination, l'expertise médicale dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Il faut aussi... participer aux réunions professionnelles, aux réunions syndicales, de conseils de l'ordre, etc. Donc un médecin n'est pas uniquement assis dans son cabinet. Quand il a fait 10 heures de travail par jour et qu'il a reçu entre 40 et 60 patients, après, il faut qu'il complète son activité pour les différents éléments administratifs dont je vous ai parlé. Et aujourd'hui, on parle même pour les généralistes de faire une 4e année d'internat qui permettrait à la sécurité sociale de les envoyer dans les déserts médicaux. Mais tout ça au dépend des médecins. Alors, bien sûr que les médecins gagnent bien leur vie. Bien sûr qu'ils gagnent bien leur vie. Mais qui travaille 60 heures par semaine? Enfin, en dehors des artisans, il y a des gens qui travaillent 60 heures par semaine, pardon, je me suis mal exprimé. Mais bon, 60 heures par semaine, c'est énorme. Et surtout que c'est un métier hyper stressant. Quand on a un diagnostic, notamment quand on est jeune médecin, qu'on ne veut pas se tromper, et puis quand on a un patient qui ne se refait pas comme on l'avait escompté, c'est vraiment un investissement psychique qui est très fort. Bon, alors, comme tous les autres métiers, tu me diras. Bon. Michel, ce n'est vraisemblablement pas sensible à cette population. Non, moi je considère qu'il faut le valoriser, bien sûr. La consultation médicale, mais je considère aussi que c'est l'argent des travailleurs. L'assurance maladie, ce sont nos cotisations. Autrement dit, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent s'installer là où ils veulent, mais c'est l'argent public qu'ils demandent. Alors, il y a un éditorial du journal Le Monde que j'invite à lire, et qui n'est pas, ce n'est pas un journal marxiste. Hein. Non, bon, pas tout à fait. Non. Bon, il pose la question, il dit que c'est un problème complexe. On pose le problème du principe même de l'exercice libéral, c'est-à-dire que... et l'utilisation de l'argent public. Alors, on a proposé une revalorisation de 6,5%, quand même. Bon. Et puis on a proposé la possibilité d'un contrat d'engagement. Alors, les syndicats de médecins ne veulent pas. Prendre un engagement, non, c'est au nom de la liberté. Mais oui. Bon, il y a quand même une idéologie dans cette corporation qui est une idéologie... bref. Alors, un contrat d'engagement territorial, facultatif, à plusieurs niveaux. Premier niveau, 30 euros pour les généralistes. 35 euros pour les spécialistes. Puis pour des consultations complexes, 40 euros niveau 3. Et 60 euros niveau 3. Bon. Niveau 4. Niveau 4. Bon. Autrement dit, on demande, on veut augmenter, mais on demande des contreparties. Ils ne veulent pas donner ces contreparties. Alors il y a une contrepartie qui est intéressante. Ah. Savez-vous qu'il y a un petit animal, le lapin, qui grippe la machine. 28 millions de consultations sont gâchées par le fait que les malades qui prennent rendez-vous n'auront pas le rendez-vous. Et ça, les médecins demandent à ce qu'on puisse payer les consultations. Mais il y a les médecins qui le font. Hein. Ah ben, mais comment fais-tu pour récupérer ton argent? Et oui, comment tu fais? Non, mais voilà. Les médecins disent 28 millions de consultations annuelles sont gâchées par les patients qui n'auront pas les rendez-vous qu'ils ont pris. 28 millions. Et pourquoi ils n'en auront pas? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, donc ils prennent rendez-vous chez plusieurs médecins. Ah, peut-être. Et oui, peut-être. Je ne défends pas, j'explique. En tout cas, moi je pense que
on va nommer, j'oublie quand, enfin, quelqu'un va faire une convention provisoire qui va entrer en vigueur, et puis on va revoir les syndicats médicaux, dans, je pense, dans un an. Oui. Bon. Mais c'est en 2019, je pense, qu'on a, on a commencé à supprimer le numerus clausus. C'est une décision. 2019. Bon. Alors, il est certain qu'on est face à une situation qui a été mal gérée sous la pression des lobbies médicaux. Hein. Le numerus clausus. Bien sûr. Le numerus clausus a été imposé par les syndicats de médecins pour diminuer le nombre de médecins de façon à ce qu'ils puissent augmenter leurs revenus. Exact. Bon. Okay. C'était quel président, Hollande, en 2019? Bien avant. Non, c'est bien avant. Bien avant. D'un montant, ça existait. Oui, bon. Absolument. Et la solution d'avoir recours aux médecins étrangers, bon, c'est une solution pratique, mais vous dépouillez le pays d'origine de ces médecins-là. Ouais. Bon, en tout cas, nous sommes face à un problème qui nécessite d'être réglé dans le temps. Hein? Bon. Mais bon, les types veulent 50 euros tout de suite, c'est tout. Bon. Bien. Ce n'est pas possible, économiquement parlant. Alors, on arrive au terme de l'émission, mais on ne peut pas ne pas parler donc de la retraite en Outre-mer, Michel. C'est combat qui s'annonce comment? Alors, c'est le sujet de l'éditorial de Justice de cette semaine. En deux mots, hein, parce qu'on pourra s'annoncer. Nous en avons déjà parlé. Disons que le problème de l'outre-mer, notamment dans le secteur privé, c'est que les gens partent à la retraite plus tard. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas suffisamment d'annuités, pour ne pas subir la décote, c'est-à-dire une diminution du montant de la pension, donc en France, ils partent à 63 ans, ils partent déjà à 65 ans. Très bien. Bon. Ça le reflet de quoi? Mais c'est une pénalité, ça. Hein? C'est une pénalité, on pénalise les gens parce que beaucoup de ces personnes ont travaillé chez des gens qui ne les déclaraient pas à l'époque. C'est une deuxième punition. Exact, c'est une deuxième punition. Bon, autrement dit, nous avons une situation, d'une manière générale, on a un montant moyen des retraites qui est inférieur, d'une manière générale, en Outre-mer. Alors, de 18 à 28% selon les territoires. Mmh. Bon. Alors, ça, c'est une situation particulière. Donc, le fait d'allonger de 2 années, ça va aggraver cette situation. Alors, ce qui me rend un peu moins pessimiste, c'est que un certain nombre de parlementaires, notamment des députés d'outre-mer, ont commencé à prendre conscience de la situation. Alors, figurez-vous que dans la loi, le projet de loi de Macron, le mot outre-mer n'apparaît pas. Nulle part. Nulle part. Donc, les députés ont dit qu'il faut prendre des mesures spécifiques. Nous en avons parlé souvent ici. Et là, au Sénat, il semblerait... Alors, Haïtien dit dans les blancs, Catherine Conconne a écrit une lettre très, très bien tournée, d'ailleurs, à Elisabeth Borne, pour poser le problème, précisément, des spécificités des retraités d'outre-mer, et qu'on risque d'accroître le nombre de retraités pauvres. Mmh. Bon. Par conséquent, vont-ils être entendus? La question. Parce que les Outre-mer ont voté contre Macron, il ne faut pas oublier ça. Oui, tout à fait. Non, mais tu n'as pas tort. Mais faut dire à Macron que s'il ne fait rien, ils vont encore plus voter contre lui. Non, mais si c'est comme ça qu'on peut faire comprendre qu'il y a une situation particulière. En plus, dans l'Outre-mer, il y a deux territoires qui sont dans une situation spécifique, c'est la Martinique et la Guadeloupe, avec le vieillissement accéléré. Ouais. OK. Parce que la situation n'est pas tout à fait pareille en Guyane et à La Réunion, mais Martinique et Guadeloupe. Et la Martinique, c'est pire que la Guadeloupe. On a commencé le vieillissement un peu avant, une dizaine d'années, avant la Guadeloupe. Donc voilà, je suis quand même content que, d'après ce que l'on dit, les 23 ou 24 sénateurs d'outre-mer ont décidé de poser ensemble la question
des retraités d'outre-mer, des mesures spécifiques. Voilà. Yeah. Est-ce qu'on peut regretter, peut-être, hein, je ne sais pas si je me trompe, qu'il n'y ait pas un groupe de parlementaires domiens? C'est interdit par la loi. Ah bon? Tu ne peux pas constituer un... Mais il y a des délégations. Oui, tu as une délégation. Il y a des délégations. Tu peux avoir un groupe d'originaire d'un territoire. Ce que tu dis... Tu es député français. D'accord. Ce que tu dis est fondamental. Il faut effectivement... C'est l'une des voies de réflexion. Okay. Mais c'est évident. Alors, on ne le fait pas. Mm-hmm. Donc, mais c'est absolument important, n'est-ce pas, que cette organisation puisse exister, n'est-ce pas, puisse avoir l'initiative et le contrôle, n'est-ce pas, de l'adaptation de nos textes. C'est fondamental. C'est fondamental. Ouais. Alors, bien sûr, là, c'est pas permis pour le moment, mais il est temps, n'est-ce pas, de revoir les choses. Justement. Mais je voudrais, si vous, moi, sur les retraites, moi, je ne parle pas des retraites à notre niveau, mais c'est le scénario juridique qui va se jouer. Le Sénat, il va adopter le texte. Oui, il va voter le texte. D'accord ? Donc, il va voter le texte. Donc, on va revenir à l'article 45 où il y aura la fameuse navette comme navette. OK. Au bout de 50 jours. Macron légifère par ordonnance. Exact. Mais allons jusqu'au bout, je ne sais pas, je me pose la question, moi. Et je vois, mais alors, ben oui. Donc, le Sénat aura voté le texte et l'ordonnance reprend le texte voté par le Sénat. Alors, politiquement, messieurs, ça a une signification. Absolument. Ça a une signification politique lourde, ce n'est pas le 49-3. Non. C'est relativement démocratique. Je voulais faire simplement ce scénario. Il est obligé de reprendre ce que le Sénat aura voté. Je ne sais pas dans le détail, oui. Mais je sais que le Sénat va voter le texte, va voter le projet. Bon, je reste là. Donc, ça, 45, on va naviguer, comme d'habitude. Et puis, commission mixte parlementaire. 50 jours, n'est-ce pas, c'est fini. Macron, n'est-ce pas, légifère. Alors, voilà. Il est quelque part... couvert du point de vue démocratique par le Sénat. Ah oui, mais c'est un bon coup. Il peut argumenter sur le fait que... Mais c'est un bon coup politique, ça. Il a prévu de longue date, nous, on n'avait pas vu. Mais là, il fait. Entre-temps, tu as le 7 février, mardi prochain, où les syndicats vont mettre la France à l'arrêt. Et ça aussi, c'est important. Oui, d'accord. Ça, c'est très important parce que nous sommes maintenant dans un rapport de force. Est-ce que c'est prévu aussi pour la Martinique? Alors, je te dis tout à l'heure que, d'après ce que je sais, il y a une réunion à la maison du syndicat demain. Les syndicats martiniquais se concertent sur la manière de participer à ce mouvement. Un an de guerre en Ukraine, rapidement, on peut dire deux mots de ça? Volontiers. Personnellement, en apparence, et là, c'est moi qui m'exprime, hein, parce que, disons que je n'ai pas les mêmes opinions que beaucoup de camarades. En apparence, la guerre était déclenchée par Poutine. Mais plus je lis, plus je cherche. Alors, il y a une historienne qui s'appelle Annie Lacroix-Riz. Lacroix, qui est russophile, qui est soviétophile, et donc agrégée d'histoire, docteur d'État d'histoire contemporaine. Reprends son nom. Annie, A-N-I-E, Lacroix, C-R-O-I-X, -R-I-Z. Ah oui, je dis à lui, oui. Brillantissime. Brillantissime, oui. Elle explique les choses d'une manière incroyable. Et quelque part, elle prend le contre-pied systématique, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, mais elle prend le contre-pied systématique de toutes les opinions occidentales. Les accords de Minsk n'ont jamais ont été déclarés, mais n'ont jamais été appliqués. Et la France et l'Allemagne, qui avaient l'obligation et le devoir d'assister à l'application de ces accords de Minsk, n'ont rien fait, simplement parce qu'ils disaient que c'était une affaire... interne de l'État ukrainien. Tu permets. Je t'en prie. La disposition principale des accords de Minsk, c'était d'accorder aux provinces ukrainiennes du Donbass une certaine d'autonomie, une autonomie et de respecter leur langue. Absolument. Mm-hmm. Ce qui n'a jamais été accordé, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu 14 000 morts dans ces oblasts-là. 14 000 morts tués par Ukrainiens. Les Ukrainiens. Et puis l'extrême droite. Il y a une extrême droite. Tous les Ukrainiens ne sont pas d'extrême droite, mais il y a une extrême droite en Ukraine. Et figurez-vous que la réalité, c'est que des déclarations étaient faites dans le genre, leurs enfants n'iront pas à l'école, ils ne seront pas soignés, ils mourront dans des trous comme des chiens. C'est ce qu'on disait aux russophones. Mm-hmm. Poutine n'a jamais réagi. De 2007 à 2014, il n'a pas réagi. Mais il disait, ça suffit, arrêtez.
2014, accord de Minsk, on lui dit qu'on va régler le problème n'est pas réglé. Et quelque part, il se rend compte qu'il y a une otanisation de fait de l'Europe centrale, et il se rend compte qu'on le prend pour un imbécile. Et bon, bien évidemment, la méthode choisie est violente, et on déplore bien évidemment la guerre, les morts, les enfants, etc. Mais il faut comprendre que cette stratégie choisie par l'Europe occidentale, pour moi, elle est couronnée d'un succès, pour plusieurs raisons que je dénumère rapidement. C'est l'échec de l'isolement de la Russie. On a dit que la Russie serait isolée. Il y a encore 40 pays, 40 États dans le monde sur 193 qui sont solidaires de la Russie. Mais quels États ? La Chine, l'Inde, enfin c'est la moitié de la population mondiale. Voilà la réalité. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Enfin, il y a énormément. Le Brésil. Deuxième élément. Il y a une paupérisation de l'Europe. Troisième élément. Il y a une dette colossale. On est passé de 33 000 dollars par habitant et par an en France à 40 000 dollars par habitant et par an par rapport au Covid, mais aussi par rapport à la guerre en Ukraine. Quatrièmement, l'inflation. Les économies sont à genoux. Cinquièmement, aujourd'hui, les Européens vont demander à genoux du pétrole au Maghreb et aux monarchies pétrolières du Golfe Persique. Mais ces Européens sont infoutus de régler le problème de la Cisjordanie par rapport à Israël. Vous voyez l'ambivalence, c'est-à-dire qu'on va demander au peuple musulman de les aider économiquement, mais la résolution 242 qui date des années 60 pour la libération des territoires occupés par Israël n'est jamais abordée. Enfin, donc, la morale de cette histoire, c'est quoi ? La morale, c'est que business is business. Mmh. Et rien ne se fait. La seule chose qui compte, c'est faire de l'argent et s'enrichir. Et je trouve ça pitoyable. Mais il faudrait qu'on revienne dessus. Hein. Okay. Parce que la démonstration que la dame fait est limpide. Hein. On montre que l'Occident ne considère les choses nobles que pour eux. Et que le reste du monde, finalement, ben, ce sont des marchepieds. Alors, on peut pas. Je dis un mot. Je ne pas entendre ce que tu dis, mais je veux dire un mot. On a parlé tout à l'heure de l'Afrique. L'Afrique. La plupart des pays africains considèrent que c'est une affaire européenne et ne se sentent pas concernés par ce conflit. Et la situation est la suivante. C'est que, notamment l'Union africaine, l'UA, est dirigée, dont la présidente est le président du Sénégal, Macky Sall. C'est l'Union africaine qui est allée négocier avec Poutine la nécessité d'un accord sur les céréales, notamment le blé, qui a été signé à Ankara et qui a permis de débloquer en partie les réserves de céréales de la Russie et de l'Ukraine. Mano, imagine un instant que Mike Tyson monte dans la salle là. Et puis je vous dis, c'est Mike Tyson. Ou pas d'où va de toujours après on veut rafouter un vidéo. Et pour parler, c'est Mike Tyson. Poutine est accouché par terre. C'est le lion qui dort. On lui envoie des cailloux. À un moment donné, il fait le lion et puis on s'étonne que c'est un lion. Je suis désolé pour les populations qui meurent. Je suis désolé pour les enfants qui meurent. Le dernier point, je l'ai déjà dit ici. Si vous regardez les télévisions mainstream, on ne rend compte de la guerre en Ukraine que du côté ukrainien. Bon. Prenons un exemple. La Russie est en train pratiquement de remporter la victoire à Bakhmout. Les reportages que l'on voit dans les télévisions mainstream, on va interroger des habitants de Bakhmout et on essaie de faire jouer l'affectif. Je suis ceci, cela. Mais aller du côté russe, les Ukrainiens bombardent la Russie, on n'en parle pas. Donc, je demande aux auditeurs qui m'écoutent de faire très attention aux informations sur ce sujet qu'ils voient dans la plupart des grandes télévisions. En répétant qu'on est désolé pour les enfants et les personnes innocentes qui meurent pendant la guerre. Ça, c'est pas le cas. Et bien sûr, il faut arriver à un accord de paix. Professeur. Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a une mise en forme d'un nouvel ordre public international. Ouais. C'est absolument incontestable. Et il y a incontestablement, à mon avis, l'écroulement d'une civilisation, la civilisation occidentale.
n'est-ce pas? C'est un peu l'écroulement des Grecs ou des Romains, n'est-ce pas? On est arrivé à un tel stade d'évolution, n'est-ce pas, que le mouvement du balancier repart, ok? Et va frapper fort. Parce que vous entendez bien, les grands pays que vous avez cités, c'est pas n'importe quoi. Et l'un des arguments, n'est-ce pas, c'est de mettre en exergue, n'est-ce pas, l'état de déliquescence, n'est-ce pas, de la civilisation européenne. Et le langage est de plus en plus fort. Et je pense que nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante. Je partage totalement ton analyse, hein, ce que tu as dit. Bon, mais la guerre n'est pas un moment. Mais là, il faut faire attention à ce qui se passe parce que peut-être qu'on risque de déboucher sur des situations extrêmement difficiles. Très bien. Moi, je voudrais dire quand même un mot, en dehors de tout ce qui était prévu au sommet, hein, c'est... Attention au piège, là. Non, il n'y a pas de piège. Non, bon, c'est pas malicieux, cette fois-là. Non, c'est pas malicieux. Il n'y a pas de piège, mais... Je reste étonné de la manière dont la justice est rendue à la Martinique. Voilà. Parce que je vois que dans les métiers du bâtiment, il y a beaucoup de voyous qui volontairement ne terminent pas leurs travaux. Et quand après 5 ans en justice, vous allez en justice et vous êtes débouté, ou alors que ce soit le petit entrepreneur qui est condamné à une somme ridicule par rapport aux dégâts constaté par plusieurs fois où il y a eu des actions judiciaires pour prouver tout ça. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez débouté. Et voilà. Jugement rendu en dernier ressort ou en premier ressort? Premier ressort. Tu as le deuxième ressort, tu as la cour d'appel. Bien sûr, mais bon, ce seront toujours les mêmes qui vont rendre la justice. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Pas nécessairement. Pardon? C'est des juges différents, en principe. Donc, pour l'instant, je ne veux pas encore dévoiler de nom, mais je pense que Charles a dû comprendre de qui je parle, parce que lorsque nous avons porté plainte contre cet architecte à l'époque. Je ne parle pas de nom, s'il te plaît. Moi, enfin. Ah ben, bon. Tu fais ce que tu veux. Oui, bien sûr. Pour le moment. Oui, pour le moment, je n'avais pas de nom. Surtout pas là. Quand on a le pire dans tout ça, c'est quand on a été porté plainte à l'ordre des architectes de la Martinique. Ils vous disent, mais il est temps que la justice fasse ce monsieur arrêter son activité d'architecte parce qu'il ne nous attire que des ennuis. Mais oui. Il continue à couillonner des gens. Mais qu'en fait l'ordre? Ah, rien, il n'a pas fait rien. Ah, mais aussi, il n'a pas fait rien. Il n'y a pas que la justice, il y a l'ordre des architectes. On parlait des médecins tout à l'heure. Bon, tu as cité tout à l'heure quelqu'un que j'apprécie. Tu as cité. J'ai pas dit du mal de lui, j'espère encore. Comme non. Tu l'apprécies, tu es 40K, moi, prends mes précautions. Septième blanc. Tu as cité Rudy Valentino. Non, c'est moi qui l'ai cité. Rudy Valentino. Il a, entre autres, de ses qualités, ce que tu as cité. Oui. Sa qualité, ça a été de prendre position de manière très claire, de manière scientifique sur la question de la vaccination. Oui, d'accord. Et contre certains médecins, certaines personnes qui, dans le corps médical, ont participé à l'intoxication des Martiniquais sur cette question. OK ? Bon, autrement dit, il y a un ordre des médecins. Il y a un ordre des avocats. Il y a un ordre des architectes. Il y a un ordre des chirurgiens dentistes. D'abord, la discipline doit être faite par l'ordre. Il y a une éthique, il y a une morale dans une profession. Et avant de faire intervenir la justice, il faut que l'ordre mette de l'ordre. Mais j'ai commencé par ça. Attendez, mais ce que tu dis est parfaitement exact. Chez nous, universitaires, nous avons aussi un ordre disciplinaire. Okay. Exactement. Et vous avez vu qu'à propos d'un certain scandale, n'est-ce pas, la radiation a été faite et... Le procès est toujours pendant... Enfin, il n'y a même pas de procès. Le pénal n'est jamais intervenu, on n'entend plus parler de cette affaire. Bon. Mais il faudrait quand même que LR, c'est le... De cet architecte, je pense que... Il faut que quelque part, il puisse payer la note, quoi. C'est ça. Mais c'est dommage, parce que ça jette l'opprobre sur toute une profession. Non, c'est un architecte, t'as dit. C'est un architecte, mais ça jette l'opprobre sur beaucoup de choses. L'architecte ne fait pas une maison tout seul, surtout quand il s'agit de bâtiments. Il y a peut-être des complices. Il y a, voilà, par exemple, des OPC. Ouais, voilà, par exemple, qui servent de complices. Est-ce qu'il y a eu une enquête?
Mais il y a une enquête qui débouche sur ça et ça m'a rendu très... Bon, je comprends. Ouais, oui. C'est vraiment... Mais c'est du n'importe quoi. Oui, il faut faire appel. Il faut faire déjà en préparation. Enfin, bon, voilà, je voulais dire ça et dire à ce cher Léon que je pense souvent à lui en ce moment. Me concernant... Tu ne penses pas à lui comme Poutine. me concernant, parce que j'ai eu exactement la même mésaventure. Avec le même monsieur. Avec le même individu. Concernant, le seul risque que je prends aujourd'hui, c'est d'ouvrir une bouteille de champagne. Non, c'est fini. L'investissement ici, ouais. Trop de risques, trop de pertes. C'est incroyable. Et puis quand on est endetté à 1 million d'euros à la banque, et qu'on a des frais financiers de 6 000 euros qui sont débités sur le compte. Non. C'est lourd, hein. 6 000 euros. Et quand la banque vous dit, OK, c'est la crise financière, vous ne pouvez pas vendre vos appartements, donc on vous finance pour, non plus de la promotion, mais pour de la location, puisque les appartements ne se vendent pas. Ils vous donnent l'accord de principe par 1 000 en février, ils vous débloquent les fonds en novembre. C'est-à-dire que mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, vous payez 6 000 euros par mois. Et vous dites à votre gestionnaire de compte, hein, mais que se passe-t-il? Non, mais ça va venir. Là aussi, il y a des pratiques frauduleuses par certaines banques que je ne nomme pas. Et je n'y porte pas. J'ai tout enlevé de chez eux. Mais un moment, il faudra que ces personnes-là paient. Parce que, très sincèrement, hein, il y a des pratiques qui sont spécifiques à nos territoires. Attends. Là, tu tombes un peu dans un domaine qui a été le mien. Ah ben voilà. Bon. Il y avait une direction de la concurrence de la consommation. Bon. Et entre autres, il y avait quand même, on a obtenu quand même un certain nombre de règles concernant les banques. Mmh. Les banques, bon. Au-dessus des banques, ben, y a la banque des banques, hein, qui s'appelle l'IEDOM. Par conséquent, mais en tout cas, il me semble qu'il y a une loi monétaire et financière sur les pratiques des banques. Et il faut saisir, alors maintenant, ce n'est plus la direction de la concurrence de la consommation, c'est la DITS, c'est la direction de l'entreprise de la solidarité. Hein? Bon. Alors bien sûr, les effectifs ont été sabrés. L'Ukraine est passée par là, on va dire. Exactement. Non, mais c'est vrai. Bon, tu sais, les administrations qui gênaient les capitalistes, on les a... Bon, tu m'excuses, hein. Il y a deux administrations qui ont été sabrées ces dernières années par les différents pouvoirs. La direction du travail, parce qu'elle fait respecter le code du travail, et la direction de la concurrence de la consommation, parce qu'elle contrôle les entreprises, et notamment les prix. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Faites attention quand vous allez faire appel à des entrepreneurs ou des architectes. Faites attention. Vous voyez plusieurs personnes, mais franchement, c'est terrible ce qui arrive après. Je vous souhaite de passer un excellent week-end à tous les trois, à Marvin et à Grégory de l'autre côté, puis à vous chez vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a été profitable et que vous avez passé un agréable moment avec nous. À bientôt sur Zouk TV.